Bonsoir, Tain. Bonsoir, Jules. Vous ne me demandez rien. Pourtant, il y a des choses que vous devez savoir. Mais non, je vous assure. Non, Gilles. Il faut que je vous explique pourquoi j'ai pris cette clé. Vous avez pu avoir des raisons tout à fait personnelles. Si je n'avais pas à me débattre contre le syndicat, je n'aurais jamais fait ça. Vous me parlez du syndicat ? Le docteur m'en a dit un mot ce matin, mais si vite. Oh, c'est vrai, vous n'êtes pas au courant. Oh, n'allez pas imaginer une association secrète. N'importe qui en ville pourrait vous renseigner. Je ne m'en suis guère aperçu. Voyez-vous, à la tête de toutes les grosses affaires de la région, se trouve une dizaine de personnes qui entendent rester seules à se partager les profits. Et qui réussissent d'ailleurs très bien. Plantel, Erfino, Bapin. Oui. Mon oncle. Mon mari était devenu leur maître. Ils les tenaient tous grâce à certains documents compromettants pour eux. Et ce sont ces documents qui sont enfermés dans le coffre. Oui. Mais vous, vous avez eu à souffrir de l'activité du syndicat? Ces gens-là me détestent. Oui, mon mariage. J'étais ouvreuse de cinéma et votre oncle était le grand homme de la ville. Oui, alors, évidemment, il n'en faut pas tant. Ils ont su me le faire sentir. Un peu plus tard, ils ont espéré que je les aiderais contre lui. Ils pouvaient le croire. Puisque votre oncle et moi, nous vivions ici comme deux ennemis. Oui, mais que peuvent-ils contre vous? Madame, c'est le docteur Sauvager. J'y vais, excusez-moi. Le docteur voudrait voir aussi, monsieur Gilles. Faites-le entrer. Je vous demande pardon, je me suis permis d'insister.